Gertrude, à cette époque-là, était déjà un monument intrépide, assez énorme, comme on a dit, une grosse pierre au milieu d'un champ, n'est-ce pas ? Avec une force intérieure qui se voyait même dans la rue tout de suite. Elle était excessivement instruite, bas bleus, des gros bas de laine bleus. Elle était féministe dans tous les sens du mot. Elle s'intéressait aux gens. Elle s'intéressait aux gens, mais surtout dans la mesure où elle pouvait les influencer ou faire son numéro de génie, enfin, littéraire, enfin, exprimer ses opinions, dont elle en avait beaucoup. Et elle m'a donné des conseils. Et elle m'a même demandé de lire des choses que j'avais écrites, ce qu'elle a fait. Elle a une perception globale, holistique, quasiment, de chaque individu, quoi. Elle comprend où est le point de gravité de chaque individu. Mais alors, il faut vraiment la séduire. Elle avait un petit côté snob. Elle était déjà très grande dame, très solide, très, très sûre d'elle-même, très gourmande de la vie, de tout, n'est-ce pas ? Même capable de bouffer tout ce qui l'entourait. Même les jeunes gens qui avaient la moitié de son âge, qui étaient Hemingway et d'autres, l'ont quitté avec l'idée qu'elle les avait eus. Elle avait une façon d'appréhender les autres qui était redoutable. Il fallait passer le seuil d'acceptation pour pouvoir plaire à Gertrude Stein. Il y a vraiment les gens qu'elle encadrait, puis ceux qu'elle n'encadrait pas du tout. Quoi. Selon quels critères, alors, elle pouvait encadrer À mon avis, elle était très fine. Un des critères qui était essentiel et qui transparaît dans l'autobiographie d'Alice Bettoclas, d'ailleurs, dans ce qu'elle écrit, c'est une forme de jovialité. Elle n'aime pas les sérieux. Elle n'aime pas les coincés, elle n'aime pas du tout les tristes, en quelque sorte. Par exemple, alors son grand ennemi, si je puis dire, c'est Ezra Pound. Pound qui arrive à Paris dans les années 14-15, donc croit pendant un moment, du moins on reconstitue ça d'après coup, quoi, qu'il va pouvoir exercer un magistère, mais c'est sans compter avec Gertrude Stein qui est établie là, sur la place parisienne, la place forte parisienne depuis 1904, et qui lui fait comprendre que bon, c'est un triste cire, un triste bonnet, et c'est une défaite de Pound. La papesse des lettres parisiennes rédigera au cours de sa vie une trentaine d'ouvrages. Un tiers environ ont été traduits en français, parmi lesquels Tendre Bouton, Autobiographie de tout le monde, Les guerres que j'ai vues ou Autobiographie d'Alice Toklas. Certains ne l'ont été qu'en partie, comme The Making of Americans, que nous connaissons chez nous sous le titre d'Américain d'Amérique. Dans cet ouvrage, il est question, croit-on comprendre, de deux familles, de leur histoire, de leurs enfants, comme un écho lointain à la famille et à l'enfance de Gertrude Stein. C'est en tout cas l'idée que s'en est faite Nadine Satia, qui a passé 10 ans à enquêter sur la vie de Stein. J'ai un souvenir absolument précis du moment où j'ai, dans une bibliothèque de Londres, ouvert Autobiographie de tout le monde et où ces vieux livres, vous savez, se cassaient à l'endroit des photographies. Et donc j'ai vu cette vieille dame avec son chien sur un banc. Et tout de suite, les premières lignes que j'ai lues d'elle, dans mon anglais à l'époque très scolaire, m'ont donné envie de la connaître. C'était le fameux passage, vous savez, où elle dit ça prend très longtemps de devenir un génie, il faut rester très longtemps assis à ne rien faire. C'est un programme qui me semblait assez alléchant. C'est ce qu'elle voulait, elle, devenir un génie ? Oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, elle a été écrasée, d'abord par un père quand même imposant et qui imposait ses changements de vie, de vision sur l'éducation, de choix pour ses enfants, et puis une fratrie un peu particulière. Le frère, notamment le frère de Gertrude, Léo, donc qui était son frère aîné de 2 ans, et elles-mêmes sont nées parce que, en fait, deux enfants
nés précédemment n'ont pas survécu. Et c'est une chose très étrange que de naître parce que d'autres enfants n'ont pas vécu. Et c'est une chose qui a influencé, je pense, énormément leur manière de voir la vie et le sentiment qu'ils ont eu de leur propre importance. Quant à moi, j'aimais les révolutions. J'aimais manger et manger encore. J'aimais pleurer, non dans la vie réelle où il n'y avait pas de quoi pleurer, mais dans les livres. Ah, mon Dieu, c'était merveilleux tout ce qui vous faisait pleurer. Et puis, il y avait l'évolution. L'évolution domine toute mon enfance. Des promenades à l'étranger avec un évolutionniste, et le monde était plein d'évolutions biologiques et botaniques. Et comme fond de tableau, l'émotion musicale. Et les livres comme réalité. Et beaucoup de grand air comme nécessité, et beaucoup de nourriture en stimulant et en excès, et, ma foi, à ce moment-là, pas de guerre précise, nulle part. Quand elle était enfant, ce qu'elle en raconte en tout cas dans la fabrication des Américains, quand elle était enfant, elle s'est réfugiée, un, dans la nourriture, deux, dans les livres. Et pendant très longtemps, ça lui a suffi pour se protéger de cette famille un peu perturbante. Et ensuite, après la mort prématurée de ses deux parents, sa mère quand elle avait 14 ans et son père 2 ans après, elle a eu une période de net flottement, ça c'est clair. On a l'impression vraiment qu'elle était livrée à elle-même et qu'elle aurait très bien pu ne devenir rien. Et elle en est consciente. En revanche, à partir de 16-17 ans, alors que son frère, lui, avec un surmoi paternel puissamment agrippé aux épaules, avait dès l'enfance décidé qu'il faudrait savoir tout, elle, vers 16-17 ans, a décidé que c'était pas son truc de savoir tout et qu'elle allait s'intéresser à la littérature et que ça suffirait pour elle. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle est renée, en quelque sorte, et c'est là qu'elle a repris des études qui avaient été quand même un peu chaotantes et qu'elle a décidé de suivre son frère sur la côte Est, puisque lui avait déjà tâté un petit peu d'histoire, de philosophie, et avait l'intention de poursuivre des études supérieures. Il faut garder tout cela présent à l'esprit. Mais continuons. Extracts from the Making of Americans. Repeating then is in everyone. In everyone, their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating. Mets-toi bien dans la tête, mon lecteur, sans doute n'en aurais-je jamais. Ce papier griffonné, sale, indéchiffrable restera mon unique confident. Mets-toi bien dans la tête que ce que j'écris chaque jour pour toi dans mes notes, ce n'est pas un roman ordinaire avec des aventures, des conversations destinées à te distraire, mais bien l'histoire et l'ascension d'une honnête famille, histoire vécue par nous, nos parents, nos grands-parents. Chaque jour, je la transcrirai soigneusement. Aussi, mon lecteur, arme-toi de patience. Réunis tout ton intérêt, car tu entendras beaucoup parler de tous ces braves gens, de vieux grands-parents, de pères qui vieillissent, de nous-mêmes, toujours jeunes, mais nés de notre génération. Écoute-moi donc attentivement, attends, pendant que je progresse lentement, et attache-toi, je t'en prie, à l'ascension de cette honnête famille. Alors, la fabrication des Américains a commencé comme l'histoire de sa famille, c'est-à-dire en fait comme la lente fabrication de gens nouveaux à partir de gens anciens. C'est l'histoire d'une famille de gens émigrés de Bavière, donc émigrés du vieux continent, c'est jamais très précis, elle a universalisé son propos en ôtant toute référence notamment au fait qu'ils étaient juifs et au lieu exact d'où ils venaient. Donc c'est l'histoire d'une famille d'émigrés et des générations successives qui arrivent à produire finalement des gens singuliers. Et ces gens singuliers, évidemment, ce sont son frère et elle. Family living can be existing, and there can be some who are not completely remembering any such thing. Family living can be existing, and there can be some who have been completely remembering such a thing. Family living can be existing, and there can be some remembering something of such a thing. Family living can be existing, and some can come to be old ones, and then dead ones. And some can have them quite expecting some such thing. The Making of Americans est un texte extrêmement difficile à lire. Isabelle Alfandari. La syntaxe du texte, très vite, vous arrête dans votre lecture. Et donc, de ce point de vue-là, il est très comparable au texte de Joyce qui s'appelle Finnegan's Wake, qui est aussi un texte qui est l'un des textes canoniques de la modernité, mais qui est relativement difficile à lire.
Alors comment faut-il s'y prendre? Si les 25 premières pages sont assez lisibles, et puis après, ça se répète indéfiniment. Alors ça se répète, alors Stein détesterait l'idée qu'on dise que ça se répète, puisqu'elle est très hostile à l'idée de la répétition. Elle substitue à l'idée de la répétition l'idée de l'insistance. C'est un livre qui insiste, y compris grammaticalement, c'est-à-dire qui revient sans cesse, qui reprend, qui réitère des segments syntaxiques qui font que vous avez un mal infini à vous déplacer de proposition en proposition, de phrase en phrase, et surtout de paragraphe en paragraphe. Parce que le fond de l'histoire de The Making of Americans, le fond de la théorie esthétique ou poétique de Stein, c'est le paragraphe comme chambre d'écho. Donc le livre peut au moins autant se lire, me semble-t-il, comme une partition de musique que comme une narration. Vous êtes très très vite perdu et embourbé, si vous voulez, dans cette syntaxe qui s'élance infiniment et qui se relance infiniment. En revanche, si vous le lisez notamment à haute voix, il vous faut bien sûr beaucoup de courage parce que c'est quand même relativement long, 1000 pages, mais ça se lit. Family living can be existing and some can come to be old ones and not yet dead ones. And some can be remembering something of some such thing. Family living can be existing, and someone can come to be an old one, and some can come to be a pretty old one, and some can come to be completely expecting such a thing, and completely remembering expecting such a thing. Family living can be existing, and everyone can come to be a dead one, and not anyone then is remembering any such thing. C'est un laboratoire, The Making of Americans, autant que l'œuvre à part entière, bien entendu, mais ça a aussi une fonction de laboratoire d'écriture, d'atelier d'écriture, et qui la suit comme ça, enfin dans laquelle elle continue de progresser et à partir duquel elle continue d'élaborer ce style qui est le sien et un certain nombre de modalités de ce style. Son intérêt initial, c'est d'essayer de faire un inventaire des caractères. Et donc, elle réfléchit sur la manière de décrire, puisque pour elle, la science, le savoir, c'était d'abord une description de plus en plus large des choses, de plus nuancée de toutes les variétés. Elle commence par essayer de décrire ce qu'elle appelle les « bottom natures », de tous les types d'êtres humains. Donc ça s'élargit de la famille à tous les types d'êtres humains. Et ensuite, elle réfléchit sur sa propre place à l'intérieur de cette vaste classification des caractères. Les caractères passionnés ont cette supériorité, si préservés qu'ils soient, ils ont d'instinctives expériences, de précoces déceptions, mais après les plus brutales atteintes, ils reviennent à la surface. Leurs compagnons moins doués ne se relèvent jamais du coup qui les frappe. Mais quand même, Nadine Satya, cette typologie des êtres, c'est un peu étonnant. Pourquoi vouloir mettre, catégoriser dans une œuvre littéraire tous les êtres qui vivent, vivront ou ont vécu? En fait, il faut se souvenir qu'elle est née au XIXe siècle. Elle a à cœur de le rappeler dans tous ses livres les plus accessibles, que ce soit Autobiographie d'Alistoclas, Autobiographie de tout le monde. Elle rappelle qu'elle est née au siècle de Darwin. Elle est née au siècle de l'évolution. Elle a passé dans sa jeunesse du temps avec un précepteur, Herr Kraiolets, qui les emmenait à la chasse aux papillons et fabriquait des herbiers, etc. Donc, elle est née à une époque où savoir, comprendre, savoir, expliquer, c'était construire des tableaux des espèces vivantes avec leurs sous-espèces, leurs variétés. Donc c'est complètement cohérent avec l'éducation qu'elle a reçue. Maintenant, évidemment, le roman ne s'était jamais donné ce but. Et je pense que là, il faut voir un petit peu aussi l'influence de lecture qu'elle a eue au tout début du XXe siècle, notamment de Spencer, de Herbert Spencer, qui réfléchissant sur l'évolution, la théorie de l'évolution des espèces, les manières d'être dans, aussi bien en biologie qu'en sociologie, etc., a voulu montrer que la loi de Lamarck, vous savez, la loi de complexité croissante, en fait, s'appliquait à tous les domaines de la vie, y compris à la sociologie humaine. Et alors, ces typologies, est-ce que vous avez en tête quelques grandes catégories qu'elle a comme ça définies en scientifique, en entomologiste? Eh bien, par exemple, très important pour elle, dépendant, indépendant. Alors, vous avez les indépendants, dépendants, c'est un peu son cas. Puis vous avez les dépendants, indépendants. Mais ce n'est pas du tout pareil pour elle. Il y a aussi, par exemple, les attaquants et les résistants.
Mais il y a les résistants attaquants et puis les attaquants résistants. Et puis ensuite, elle va rajouter d'autres catégories parce que les indépendants dépendants peuvent être aussi des attaquants résistants, mais lents. Mais il y en a aussi des rapides. Et puis ça part en éventail comme ça jusqu'au moment où justement, dans la partie Martha Hirstland, elle commence à s'y perdre elle-même et à se dire que peut-être les ressemblances sont moins intéressantes que les différences. Cette typologie américaine, ces types humains qu'elle entend distinguer, mais par rapport auxquels elle finit par renoncer parce qu'elle échoue dans ce geste typologique, si vous voulez, a sûrement quelque chose à voir avec l'enseignement de James. Il faut garder tout cela présent à l'esprit, mais continuons. Alors, James a été le professeur de Stein. Lorsque Stein était étudiante à Radcliffe, c'est un professeur de philosophie qui a une œuvre considérable et qui reste en relation avec Stein même au-delà de son départ des États-Unis, qui dira de Stein qu'elle aura été son étudiante la plus brillante. C'est difficile de savoir précisément ce que James apporte à Stein. Il lui dit à un moment de garder toute sa fraîcheur et toute sa liberté de penser. Et sans doute, ce que James apporte à Stein, c'est ça. C'est ce en quoi il l'autorise à être elle-même, à ne pas se conformer à des contraintes littéraires, canoniques, institutionnelles. Mais ça, c'est assez américain. C'est américain, oui. J'allais dire que ça, c'est plus ancien que James, même si James porte cette parole auprès de Stein. C'est sans doute plus ancien et notamment, sans doute que ça vient d'Emerson, hein, et de ce que Emerson appelle self-reliance, le fait de se faire confiance à soi-même. Durant leur jeunesse, Léo, Gertrude, Michael et Sarah voyagent beaucoup en Europe. En 1902, Léo s'installe à Paris, au 27 rue de Fleurus, bientôt rejoint par sa sœur Gertrude. Je pense que les voyages en Europe ont été très importants. Gertrude Stein a raconté dans elle-même les visites dans des musées déserts où on pouvait s'allonger sur une banquette, dormir, se réveiller devant un Titien, personne ne vous disait rien. Il y a eu une sorte d'éveil assez lent, encore une fois, mais tellement atypique pour l'époque que, d'une certaine manière, cette connaissance de l'Europe qu'ils ont vraiment acquise par eux-mêmes, en voyageant sur place, devant les tableaux, et encore une fois, lentement, a fait de hauts retours des gens qui ne trouvaient plus pâture à leur curiosité intellectuelle en Amérique. Et alors, c'est un rejet des États-Unis qui conduit Léo d'abord, puis Gertrude et Michael et Sarah à venir s'installer en France. Qu'est-ce qui explique le passage de l'Atlantique ? Gertrude Stein sera toujours parfaitement en accord avec les valeurs de la classe moyenne américaine. Simplement, elle en vient vite à constater que il n'y a pas de place pour des gens singuliers comme eux et qui ne peuvent pas s'épanouir là. Elle dira, c'est très bien de naître en Amérique parce qu'il y a toutes ces saines valeurs américaines, de la société américaine, l'honnêteté, etc. Mais pour créer, il faut aller dans un pays qui est en train de devenir moderne. Et elle dira de la France, ce n'est pas ce que la France vous donne qui est important, c'est ce que la France n'exige pas de vous. Et je pense qu'elle quitte aussi les États-Unis parce qu'elle veut devenir écrivain américain et qu'elle conçoit que pour devenir un écrivain américain, il faut vivre hors du territoire américain ou en tout cas hors de la communauté linguistique américaine. Et elle le dit de manière très singulière dans l'autobiographie d'Alice Beto Klaas. Elle dit que tout le temps qu'elle a vécu à Paris, et elle a vécu à Paris de 1903 à 1946, sans pratiquement jamais retourner aux États-Unis, sauf une fois. Donc elle a véritablement vécu en France, y compris pendant la guerre, dans des conditions qui auraient pu lui être fatales d'ailleurs. Et la raison qu'elle donne à cet exil délibéré, c'est qu'elle voulait être seule avec sa langue. Et à Paris, elle était entourée, et notamment dans son salon, de gens qui ne parlaient qu'imparfaitement sa langue. Bien sûr, il y avait des Américains, mais il y avait beaucoup de Français.
qui ne parlait pas l'anglais et, dit-elle dans l'autobiographie, qui pratiquement ne savait pas qu'elle écrivait sa langue, sa propre langue, l'anglais. Et donc, elle pouvait vivre à Paris, hors d'Amérique, un rapport complètement jaloux à la langue, où la langue lui appartiendrait à elle seule, si vous voulez, où elle pourrait l'écrire à longueur de nuit. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Elle tient salon le soir, les samedis soirs, et elle écrit la nuit. I'm just a little Jackie Horner, and I met my sugar cane. A gang of mine has been revealing that they're feeling sore. I left the lamp. Diriez-vous, Carrie Pilto, qu'elle était plus américaine que française, ou plus française qu'américaine? Elle était très fière de son identité américaine, on s'en vantait. Jusqu'à la fin de ses jours, elle se disait américaine. Elle n'a jamais adopté nationalité française. Mais c'est peut-être celle qui s'était le plus intégrée de manière cosmopolite avec les Français et formée de plus forte amitié à Paris. Et Alistoclas, est-ce qu'elle vous parle aussi? Alistoclas, son humour acide, coupante, son ironie, est très forte, oui. C'est une source de délectation, Alistoclas. Quel rapport elles avaient toutes les deux? Toutes les deux. C'était le coup de foudre, il me semble, dès l'arrivée d'Alistoclas de San Francisco à Paris. Elles se sont rencontrées chez Sarah et Michael, rue Madame, et je crois que le lendemain, elles ont donné rendez-vous, et par la suite, ont passé tout le restant de leur vie ensemble. C'était le mariage parfait. Donc c'était en quelque sorte un mariage assez traditionnel d'homme et de femme, sauf que l'homme était Gertrude dans les rôles traditionnels. C'était paradoxal parce qu'elles innovaient en affichant publiquement toute leur vie leur couple lesbienne, mais Gertrude, au contraire de promouvoir sa génie en tant que génie féminine, a trouvé et proclamé que le génie était masculin. Donc elle s'identifie à l'homme. Et d'ailleurs, on le voit dans son comportement physique, dans ses portraits par Picasso et après. Picasso même l'appelait, quand il écrivait un trouve des lettres sur l'enveloppe, il écrivait à Gertrude Stein, homme de lettres. Rubbing elbows at the wrist with those millionaires. When I take my sugar too deep, I'm as thrifty as can be, 'cause I never take the way the gang goes when I take my sugar to tea. Elle occupe sans doute une place tout à fait considérable, Alice. Elle va s'occuper de tous les aspects matériels de la vie de Stein. Des aspects matériels de l'écriture, elle dactylographie les pages. Elle s'occupe de la vie, domestique. Et Stein et Toklas reçoivent beaucoup. Donc elle s'occupe des domestiques, de recruter des domestiques. Elle s'occupe des recettes de cuisine. Elle s'occupe de rendre le lieu du 27 rue de Fleurus ou de la rue Christine ou de Bulinien habitable pour cet écrivain qu'est Stein, qui n'a du coup à s'occuper que de son écriture et éventuellement de la réception de ses convives. Il faut dire que la littérature sur Gertrude Stein, sur sa vie et son œuvre, pourrait remplir les bibliothèques entières. Il y a de nouvelles disciplines qui s'est créées aux États-Unis autour de ce qu'on appelle les gender studies, par exemple, pour lesquelles Stein et Toklas sont des figures très importantes, figures importantes sur la vie homosexuelle en tant qu'écrivain moderne. C'était une chose sur laquelle elle réfléchissait beaucoup? C'est une chose dont elle ne se parlait pas. Ben, comme elle disait à Hemingway, les choses qu'on n'écrit pas. Comme les titres, par exemple, de son livre qu'elle a fait avec Juan Gris, As a Wife Has a Cow, A Love Story. Elle écrivait sur sa sexualité en mots codés. Mais l'homosexuel était vécu ouvertement.
Mais elle n'en faisait pas étude. Non, ce n'était pas le sujet de son écriture. Ses amours en étaient le sujet, très souvent. Mais c'était souvent de manière présenté de manière voilée. Who shares all is and all as yet or as yet. Now to date, now and date and date. Who came first? Napoleon the first. Who came first? Napoleon the first. Who came first? Napoleon first. Exactly do they do. Au sein de la fratrie, le nom de Gertrude Stein a éclipsé ceux de ses frères. Pourtant, c'est Léo qui entame la collection. Nadine Satya. Au tout début, Léo a acheté des estampes japonaises, comme beaucoup d'Américains. Ensuite, il a acheté un paysage d'un post-impressionniste inconnu qui s'appelle Wilson Stier, qui avait été, je crois, à l'Académie Julian. Et d'ailleurs, il avait l'impression de faire preuve d'une audace extraordinaire en achetant ce tableau. Puis, il est venu à Paris pour devenir peintre, il s'est inscrit dans les académies, s'est installé rue de Fleurus, et s'est plaint auprès de Berenson qu'il n'y avait rien à voir à part les Renoirs. Et Berenson lui a dit « Ah bon, mais est-ce que vous êtes allé voir les Cézanne? Vous connaissez Cézanne? Vous allez voir les Cézanne d'Ambroise Vollard, rue Lafitte, allez faire un tour là-bas. » Et c'est comme ça qu'il a découvert Cézanne. Et vous avez bien vu d'ailleurs que dans la vie de Gertrude Stein, telle qu'elle est racontée dans Autobiographie d'Alistoclas, la période parisienne se confond avec le seuil de la boutique d'Ambroise Vollard, où finalement ils ont acheté l'année suivante, ensemble, en faisant bourse commune, le portrait de Madame Cézanne. Donc ils passent beaucoup de temps dans les galeries, c'est leur activité oui, principale. Oui, les grandes. Évidemment, ils passent d'abord beaucoup de temps dans les salons, hein, les grands salons qui commencent à l'époque, le salon d'automne, le salon des indépendants, et par trois années de suite, vont acheter l'unique envoi de Matisse, trois œuvres jalons dans la carrière de Matisse, La femme au chapeau, l'année suivante, Le bonheur de vivre, immense tableau, et l'année suivante, le fameux nu bleu, le nu de Biskra, qui tous les trois ont été jugés atroces par la critique. Et tout de suite, au même moment où ils achètent leur premier Matisse, Léo et Gertrude Stein achètent, d'ailleurs Gertrude n'était pas d'accord, Léo et Gertrude achètent la jeune fille à la corbeille de fleurs de Picasso. Et donc, petit à petit, un Picasso arrivant à côté d'un Matisse, Picasso venant voir les tableaux de Matisse dans l'atelier de la rue de Fleurus, petit à petit s'engage cette rivalité, émulation des peintres qui deviendront les deux grands peintres du XXe siècle. Stein, Picasso. Gertrude est tellement associée au début du peintre espagnol qu'on se demanderait presque ce qui resterait de sa légende si elle n'avait croisé la route de celui dont le nom allait devenir synonyme du mot artiste. Ils se rencontrent en 1905 et Picasso a 24 ans. Très rapidement, le peintre fait son portrait dans une manière qui commence à ressembler au cubisme. Gertrude racontera d'ailleurs à l'envi ses séances de pose, au nombre, dira-t-elle, de 80. Au Grand Palais, à Paris, dans l'exposition consacrée à la collection des Stein, ce portrait tient une place très importante. Cécile Debray, commissaire. C'est l'archétype de Gertrude Stein, en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a cette fameuse anecdote où quelqu'un dit « mais c'est pas très ressemblant » et Picasso dit « mais elle va lui ressembler à ce portrait ». Alors, avant d'être un mythe, ça a d'abord été une sorte de preuve d'amitié, c'est-à-dire de reconnaissance presque admirative ou respectueuse, en tout cas de la part de Picasso. Il a saisi à travers le visage de Gertrude Stein une sorte d'alter ego ou d'amie profonde. Il y a eu une sorte de reconnaissance qui s'est faite à travers ce portrait, puisque Gertrude était très, très sûre de sa vocation d'écrivain. Elle était persuadée d'être un génie. Picasso également avait cette sorte d'assurance, un rapport très immédiat au réel, très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il y a une sorte de décontraction, même dans sa façon d'être physiquement. Ce corps massif de Gertrude, elle l'assume totalement et même avec plaisir. Hein. Et on sait que Picasso avait également ce rapport à la vie très immédiat et somme toute assez heureux dans un premier geste comme ça. Et donc il peint d'abord le buste et il bute sur le visage. Et donc c'est avant l'été, il n'arrive pas à la peindre. Il y a cette fameuse phrase qui dit « plus je vous regarde et moins je vous vois ». Donc il y a une sorte d'impossibilité. Se passe donc le séjour estival en Espagne à Gozol. Il revient et il résout
très rapidement le visage de Gertrude Stein par une stylisation beaucoup plus brutale et simple, comme une sorte de masque qui donne donc ce tableau. Et donc, elle raconte comment cette genèse a été complexe. On sent une sorte de lutte expérimentale autour de ce portrait, comme si elle voulait en faire une sorte de tableau charnière dans l'œuvre de Picasso, qui aurait été le déclencheur de sa recherche du cubisme. Oui, donc Gertrude Stein, inventeur de Picasso. If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon, would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if I told him, if Napoleon... Si je lui disais like un portrait complet de Picasso. Si je lui disais l'aimerait-il, si je lui disais l'aimerait-il, est-ce que Napoléon l'aimerait, l'aimerait-il? Si Napoléon, si je lui disais, si Napoléon l'aimerait-il, si je lui disais, si je lui disais, si Napoléon, si je lui disais, si Napoléon, si je lui disais, si je lui disais, l'aimerait-il, si je lui disais, maintenant, pas maintenant, et maintenant, maintenant, exactement comme les rois, se sentant plein pour cela, exactitude comme les rois. Ainsi vous priez aussi plein pour cela, exactitude comme les rois. Les volets fermes et les volets ouvrent, ainsi que les reines, les volets fermes et les volets, et ainsi, les volets fermes et les volets, et ainsi, les volets fermes et les volets, et ainsi, les volets, et ainsi, les volets fermes, et ainsi, les volets fermes et les volets, ainsi, et ainsi, les volets fermes, et ainsi, et aussi, ainsi, et ainsi, et aussi. Laissez-moi réciter ce que l'histoire enseigne. L'histoire enseigne. Exactly do they do, and first exactly and exactly, and do they do, at first exactly and do they do, the first exactly. Le parallèle qu'on peut faire entre ce livre Tendre Bouton, qui est une sorte de recueil de poèmes qui est articulé par objet, la nourriture, les objets, par une sorte de catégorie comme ça du réel, qui est découpé, on voit bien ce qui a pu rapprocher Picasso et Gertrude, parce que elle va s'attacher à saisir des éléments du quotidien, mais presque de manière visuelle. Et elle les détache en se rapprochant comme ça au plus près d'une sorte de banalité du quotidien qui évoque beaucoup le contexte des natures mortes cubistes, c'est-à-dire que l'univers des peintures cubistes les plus orthodoxes, hein, c'est-à-dire Braque, Picasso dans ces années-là, effectivement, on ne retrouve que des natures mortes qui sont dans l'austérité de l'atelier, des natures mortes qui sont très simples, il s'agit d'un verre, d'une miche de pain, c'est une sorte de grammaire comme ça, très épurée, qu'on retrouve dans l'écriture de Gertrude Stein, cette sorte de mise à plat de l'écriture, hein, vraiment très, très, très rudimentaire, de la même façon que la manière que Picasso et Braque ont eu de déplier le volume sur la surface de la toile, elle fait la même chose avec l'écriture. An early portrait of Henri Matisse. One was quite certain that for a long part of his being one being living, he had been trying to be certain that he was wrong in doing what he was doing. On était tout à fait sûr que pendant une grande partie de sa vie vécue, il avait essayé d'être sûr qu'il avait tort de faire ce qu'il faisait. Et alors, quand il en arrivait à ne plus pouvoir être sûr qu'il avait eu tort de faire ce qu'il avait fait, quand il s'était complètement convaincu qu'il ne pouvait parvenir à être sûr qu'il avait eu tort de faire ce qu'il avait fait, il était alors tout à fait sûr qu'il était un génie, et il en était un à coup sûr. Et à coup sûr, chacun pouvait être sûr que lui, c'était un génie. Ce qui est assez intéressant, par exemple, c'est la différence entre Picasso et Matisse. Jacques Darras. C'est Matisse qui passe le test d'abord et qui ensuite devient un fâcheux, quoi, un grincheux, quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, et qu'elle laisse d'ailleurs picturalement à son frère, Léo, hein, lequel va s'intéresser à Matisse. Et elle laisse ceux qui ne l'intéressent pas, Matisse de Rhin, à Léo Stein. Et elle va, elle, se concentrer sur Picasso. Elle s'intéressait beaucoup, beaucoup et très passionnément à la peinture, mais après cette époque-là, elle n'a rien connu. Brian Gysin. Elle a eu la chance énorme d'avoir connu Picasso jeune et de l'avoir aimé, de l'avoir apprécié, de l'avoir suivi tant qu'elle pouvait. Mais effectivement, par la suite, elle a choisi des peintres dont on ne sait plus rien du tout.
Et après la belle époque où elle a connu Picasso, qu'est-ce qu'elle a connu? Qui est sorti de chez elle? Qui a-t-elle accroché à ses murs? Pas grand-chose. Léo, psychologiquement fragile et sans doute un peu écrasé par sa sœur, se brouille avec elle et quitte le 27 rue de Fleurus, direction l'Italie. La collection est partagée, elle garde les Picasso et lui les Cézanne. C'est elle qui incarne l'avant-garde. De toute manière, on commence à le comprendre, elle fait preuve envers elle-même et envers son talent d'une foi que rien n'ébranle. Joyce, Proust, Gertrude Stein, c'est la même chose, pense-t-elle. Elle a raison. Proust, je ne sais pas. Mais Joyce, elle a sans doute raison. Isabelle Alfandari. Elle a dit d'emblée, en venant à Paris, qu'elle serait le plus grand écrivain américain du siècle. Et peut-être qu'elle l'a été. Je veux dire que cette passion hugolienne, ou cette certitude de soi hugolienne, si vous voulez, de dire « je serai le plus grand écrivain américain du siècle », elle n'a pas forcément échoué dans ce projet. Si elle est tout à fait comparable à Joyce... et malgré certaines différences qui sans doute sont relativement évidentes, c'est qu'elle est l'auteur d'une écriture, d'une nouveauté et d'une radicalité qui sont comparables à la nouveauté et à la radicalité joycienne. Et eux-mêmes ont pu se croiser Je crois qu'ils se sont croisés, mais je ne suis pas persuadée que Joyce était très passionnée par l'écriture steinienne, et je suis très convaincue que Stein n'était pas non plus passionné par la personne ni l'œuvre de Joyce. L'écriture de Stein est une écriture très facilement accessible. C'est peut-être une écriture qui a perdu la référence au monde alentour, si vous voulez, d'une certaine manière, qui cherche à le perdre. Mais c'est une écriture dont le lexique est accessible, y compris, à des étrangers dans la langue. C'est d'une grande simplicité. Tout le contraire de l'œuvre joycienne, qui est une œuvre de la référentialité, de l'intertexte. Comment dire, c'est une œuvre érudite que l'œuvre de Joyce. Ça n'est pas du tout le cas de l'œuvre de Stein. C'est un rapport à la langue qui se veut tout sauf érudit, qui se veut dans un rapport d'immédiateté très déconcertante. Parce qu'encore une fois, vous connaissez les mots du texte et vous êtes bien en peine de dire parfois de quoi parle le texte. Nuageux, qu'est-ce qu'être nuageux? Est-ce une doublure? Est-ce que ça fond? Un bâton blessé, raccommodé, une tasse blessée, raccommodée, un article de repos exceptionnel et d'ennui, un blessé, raccommodé et si nécessaire qu'aucune erreur n'est intentionnelle. Tendre bouton, Tender Buttons, l'un des livres les plus expérimentaux de Stein, paraît en 1914 avec le sous-titre Objet, nourriture, pièce. Jacques Darras. C'est un écrivain expérimental. Et d'une telle puissance d'expérimentation, jusqu'à l'étrangeté d'ailleurs, c'est très intéressant cette notion d'étrangeté dans son rapport aux autres et dans son rapport à l'écriture, avec une telle puissance d'expérimentation que on est aujourd'hui encore, plus que jamais, devant une énigme. C'est-à-dire que ce qu'on lit d'elle, les parties les plus expérimentales de son écriture, Making of Americans, Tender Buttons, Stanzas in Meditation, les strophes dans Méditation, c'est de l'écriture que l'on ne maîtrise pas dans la lecture. Du moins, moi, je ne la maîtrise pas, je ne prétends pas la maîtriser. Je suis renvoyé par ces textes. On rebondit devant ces textes. On n'arrive pas à entrer dans un texte. Et d'ailleurs, faut-il entrer? C'est la question qu'elle pose. On n'a pas la clé de cette prose. Il s'agit d'une boîte. Ça fait 6 lignes. Et moi, je vois... Alors, il faut vraiment le lire peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois pour essayer de voir une boîte. A box. Out of kindness comes redness, and out of rudeness, là elle joue sur redness et rudeness, c'est pas si fréquent que ça qu'elle joue sur les mots, comes rapid same question, out of an eye comes research, out of selection comes painful cattle, alors là, on arrête un moment parce qu'on se dit, mince, cattle, c'est bétail, ce sont des bêtes, donc painful, c'est douloureux, c'est pénible, donc
comment traduit-on ? Bétail douloureux, douloureux bétail, pénible. Alors là, on est complètement baumé, quoi. On se dit, mais c'est pas vrai, quoi. Je suis dans l'absurde le plus total. Ah, tendre bouton, tout un poème, n'est-ce pas ? Tendre bouton. Alors d'abord, je pense qu'il faut regarder Tendre bouton en se souvenant justement du contexte artistique de l'époque et du surgissement de ces techniques du collage, du papier collé, du papier épinglé, du papier... de toutes ces techniques que Gertrude voit se développer dans l'atelier même des peintres qu'elle fréquente. En fait, elle dit, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est Gertrude Stein tout court. Elle écrit et elle regarde ce que ça produit. Et puis, elle continue comme ça, à voir comme on peint, touche après touche, couleur après couleur, mot après mot, ce que ça va donner. Elle n'est pas dupe elle-même du résultat. Elle a dit, beaucoup plus tard dans une interview, qu'elle ne savait pas elle-même ce qu'elle faisait en le faisant. Et donc, il faut prendre en compte chez elle cette honnêteté qui lui fait admettre bien volontiers qu'elle-même n'était pas entièrement maître du processus. Et quelle libération pour elle c'était que d'en arriver au point où elle pouvait écrire ça, c'est-à-dire où elle était finalement libérée du volontarisme. En 1933, Gertrude Stein publie un livre chronique dans lequel elle romance sa vie à Paris avec Alice Toklas, en laissant d'ailleurs penser que c'est cette dernière qui l'a rédigée. D'où le titre « Autobiographie d'Alice Toklas ». Stein inaugure à ce moment-là, dit-elle, son style à faire de l'argent, son style narratif. Quand Gertrude racontait des histoires, elle les arrangeait, même à l'époque, même sur le moment. Elle les arrangeait à sa manière et c'était toujours Alice qui lui disait « Non, je pense que vous vous trompez, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. » Et on trouve finalement dans « Autobiographie d'Alice Toklas » parfois la version telle que Alice l'a sans doute racontée. Des gens ont reconnu presque verbatim des histoires qu'ils avaient entendues de la bouche d'Alice. Et puis d'un autre côté, elle romance complètement, elle enjolive, elle embellit, elle raconte l'histoire de la manière la plus belle possible, disait-elle, et en effaçant évidemment toute trace, notamment dans les années de jeunesse, de dépit, de déception qu'elle a pu ressentir, notamment quand elle était à l'université. Stein avait une passion d'écriture, mais elle cherchait aussi passionnément à se faire lire. Et on lui avait suggéré d'écrire la vie de son salon. Et lorsqu'elle écrit l'autobiographie d'Alice B. Toklas, elle cherche à se rendre lisible. Elle s'en veut d'ailleurs d'avoir écrit ce livre, qui est pour elle son plus mauvais livre, alors qu'il a été celui qui sans doute a eu le plus grand succès et le plus lu. Et même un très gros succès. Ouais. Oui, qui lui a apporté même notoriété et fortune dont elle se réjouissait, mais qui l'a aussi beaucoup inhibée dans l'acte d'écrire, hein, puisque après l'autobiographie, elle dit qu'elle a un mal fou à se remettre à l'écriture. Lorsque l'autobiographie d'Alice Toklas est arrivée chez l'éditeur qui venait de refuser de rééditer Trois Vies, qui venait de refuser d'éditer La Fabrication des Américains, et c'était donc en 1933, ce texte-là, qui était celui que tout le monde attendait, a été accepté sur le champ. Et donc elle savait très bien ce qu'elle faisait. On lui reproche d'avoir tissé sa propre légende, mais c'est ce qu'on lui demandait. Un livre haut en couleur qui peigne les choses dans leur vitalité sans s'apesantir sur les aspects désagréables. Mais il me semble qu'elle cherche, elle, à écrire, hein, d'une certaine manière, des fictions, mais qu'elle a un mal fou à écrire des fictions parce que ces fictions commencent au milieu et finissent au milieu. Enfin, elle est incapable de suivre le schéma aristotélicien d'un début, d'un milieu et d'une fin. Il semble que ce n'est pas une écriture narrative, ni tellement une écriture biographique. Ça ne l'intéresse pas, les histoires ? Ça l'intéresse passionnément, mais elle est très incapable, je pense, d'en écrire. Ça l'intéresse passionnément, c'est ce qu'elle dit. Elle en lit beaucoup, mais ce qu'elle produit a du mal à se faire appeler histoire. New York, New York, New York. Hello, friends. This is Ben Grauer in the VOA studios in New York, New York, along with... Lucy Chernova. And the man who put Gertrude Stein on Broadway.
But first, let's introduce John Houseman with a little song of Stein and Thompson. From Four Saints and Three Acts, words by Gertrude Stein, music by Virgil Thompson. Alors, Gertrude Stein et Alice Toklas partent pour les États-Unis. Elles font toutes les deux une grande tournée pendant plusieurs mois. En fait, depuis plusieurs années, leurs amis recommandaient à Gertrude Stein d'aller faire des conférences aux États-Unis. Elle n'avait jamais voulu le faire. Elle a dit « Je retournerai aux États-Unis lorsque je serai célèbre ». Nadine Satya. Et finalement, la célébrité est venue, puisque en 1933, elle fait la couverture de Time Magazine. Et là, finalement, elle accepte. Mais bon, elle accepte selon ses propres conditions. Elle ne voulait pas qu'il y ait plus de 500 personnes dans les salles. Elle ne voulait pas faire s'éreinter comme certaines personnes qui avaient fait des cycles de conférences et étaient rentrées, avaient dit qu'ils s'étaient complètement épuisés dans le voyage. Donc elle voulait, de préférence, aller dans les universités, parler à la jeunesse. Et puis aller voir certains endroits. Évidemment, elle voulait retourner en Californie, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle pense des États-Unis, alors, après avoir quitté ce pays pendant tant d'années ? Mais imaginez ce que ça a fait de retourner dans un pays qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. D'abord, elle est éblouie à New York par les gratte-ciel. Et bon, c'est extraordinaire de voir toutes les lumières, de voir son nom en lettres lumineuses sur le bâtiment du New York Times, de Times Square. Elle est... Un de ses amis qui l'a accompagnée en Nouvelle-Angleterre a dit « Elle a été littéralement folle de joie pendant 6 mois ». Et alors, en revanche, plus dur sera la chute, retour en France difficile. Oui, il y a un deuil, parce que d'une certaine manière, on se demande si elle ne pressent pas qu'elle ne retournera jamais aux États-Unis. Elle se promet d'y retourner. En même temps, ce qu'elle a vu ne lui a pas donné envie d'y rester, ne lui a pas donné non plus l'envie d'y retourner lorsque la guerre menace. Non, elle est profondément maintenant inscrite dans la vie française, dans ses habitudes françaises, dans ses amitiés françaises. Et voilà, quand elle dit « l'Amérique c'est mon pays, mais Paris c'est chez moi », voilà, elle a plus de 60 ans et elle n'a pas du tout envie de retourner vivre aux États-Unis. De toute façon, Alice disait « son pays, c'est sa langue ». Donc elle ne se sent pas en exil. Alice, beaucoup plus. Das Ende jeder verliebten Passion. Es spricht noch der Blick. Durant la Première Guerre mondiale, Gertrude Stein était venue en aide aux populations civiles de l'Est de la France, et voici qu'un second conflit éclate. Isabelle Alfandari. Je ne sais pas si on peut parler un peu notamment de ce qui lui est arrivé à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale en France, mais simplement pour dire que Stein avait toutes les raisons du monde de vouloir quitter la France parce qu'elle était américaine, parce qu'elle était juive, parce qu'elle était homosexuelle, mais elle est restée sourde aux appels. Notamment consulaire américain. Et donc, elle a passé la totalité de la guerre, pratiquement la totalité de la guerre, dans l'Ain. Et pourquoi reste-t-elle sourde précisément à ces appels ? Alors, je pense que Stein n'avait pas forcément une conscience très exacte du sens de l'histoire. On peut lui faire ce léger reproche. Je ne suis pas sûre qu'elle comprenait bien ce dont il ressortait. Elle était objectivement protégée par l'un de ses amis, qui est Bernard Faye, qui a traduit un certain nombre de ses textes, qui a fait des introductions à plusieurs de ses recueils, qui était proche de Pétain, qui a été nommé administrateur de la Bibliothèque nationale et qui, tout un temps, a pu la protéger. Quel rôle a joué ce Bernard Faye? C'est très, très discutable. Dans ce livre de Janet Malcolm, l'auteur montre qu'effectivement que c'est un personnage qui n'était pas si ambigu que cela, qui était redoutable, qui semble avoir envoyé au peloton d'exécution ou en déportation énormément de francs-maçons. Il était, semble-t-il, particulièrement attaché à la liquidation des francs-maçons. Et on se dit, c'est un miracle qu'elles aient pu...
échappé à la déportation, enfin, semble-t-il. Et donc, c'est un épisode qui fait froid dans le dos. Mais au-delà de 1943, elle était objectivement dans une situation difficile. Elle a été sauvée, et c'est un miracle d'ailleurs, elle a été sauvée au moment où elle se rendait à la préfecture pour se déclarer comme juive par un employé tout à fait peu zélé. Qui lui a demandé si elle pouvait prouver qu'elle était juive. Et comme elle ne pouvait pas le prouver, eh bien, il l'a éconduite. Elle a été donc sauvée par miracle, hein, parce que d'autres, infiniment mieux et plus protégés qu'elle, ont été déportés. Elle aurait très bien pu, elle et Alice Toklas, qui étaient exactement dans la même situation qu'elle, être déportées. Donc, c'est de l'inconscience, un petit peu ? Je pense que c'est de l'inconscience, c'est de la trop grande, comment dire... confiance en sa bonne étoile, Stein a cru en son écriture, elle a cru en la possibilité de devenir l'écrivain qu'elle est devenue. Et je ne suis pas sûre qu'au-delà de ça, elle était bien consciente de tout ce qui se passait dans le monde. Lorsqu'elle compare Pétain à Washington, je ne suis pas sûre, en 40, je ne suis pas sûre qu'elle voit très clair dans la situation historique. En 43, quand les choses deviennent très très difficiles, notamment sur le plan économique, elle s'aperçoit que peut-être il aurait fallu rentrer, mais il est trop tard à ce moment-là pour rentrer, et donc elle tient contre l'adversité, mais voilà, c'est par miracle qu'elle échappe à la déportation. Quel moment extraordinaire, quelle jubilation pour moi d'écrire la fin de ce chapitre de la guerre où finalement, apprenant que la colonne de la 7e armée va passer à proximité de chez elles attendent les Américains elles les attendent depuis plus d'un an comme tout le monde. Et elles voient arriver des journalistes dans une Jeep et elles montent dans... C'est extraordinaire cette scène comment Alice, qui a gardé des fruits confits dans son armoire à linge, confectionne le cake de la libération, enfin la jubilation extraordinaire que l'arrivée des Américains cause dans le petit village où elles sont réfugiées, est vraiment a été vraiment pour moi un moment de pure émotion, et j'ai adoré écrire ça. Donc là, ce sont ces premiers contacts avec les Américains à ce moment-là qui, en réalité, vont conditionner la suite. Parce que Gertrude Stein va être sollicitée pour parler aux Américains, pour raconter sa guerre. Des articles vont paraître, notamment dans Life Magazine. Elle va être invitée à aller survoler l'Allemagne dans un avion américain, alors avec des escales, où à chaque fois, elle parle aux soldats. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'elle savait très bien faire, puisqu'elle l'avait fait pendant la guerre précédente. Et cet épisode absolument phénoménal qui fait que lorsque les Boys, en 1944, débarquent et libèrent la France, elle n'a de cesse que de monter dans l'avion avec un groupe qui l'emmène où dans le Nidaigle d'Hitler à Berchtesgaden. Et elle est la première alors à s'installer avec une sorte de jubilation, d'innocence, de naïveté confondante. Dans le canapé d'Hitler et dans les fauteuils d'Hitler. Il y a tout un texte là-dessus qui est absolument fabuleux. Écrivez quelque chose sur nous, ont-ils tous dit un peu tristement. Je le ferai sûrement. Tous ont dit « Au revoir, Gertie » au départ du train. Ils ont dit ensuite « Nous nous reverrons en Amérique ». Et puis ils ont ajouté « Nous nous arrêterons au retour ». Ils ont dit encore « Nous nous reverrons en Californie ». Et l'un d'eux a ajouté « Mais il faut d'abord aller à New York ». C'est à la fois merveilleux et affreux d'avoir été intimement lié avec deux armées américaines en France, à 27 ans de distance, d'avoir pu en être si fier. C'est merveilleux. Si je vivais encore 27 ans, les reverrai-je ? Je ne le crois pas. Ailleurs peut-être, mais pas ici. Malheureusement, ce n'est pas 27 ans qu'il lui reste à vivre. Elle meurt le 27 juillet 1946, à l'âge de 72 ans, à l'hôpital américain de Neuilly, en toute discrétion. Mais je crois que là où elle est partie avec les plus belles dernières paroles de tout le monde, elle a dit, avec un sursaut sur son lit de mort, elle a dit « Mais quelle est donc la réponse ?»
Elle est retombée dans le coma, silence pendant quelques instants ou même plus. Elle s'est relevée en disant « Et quelle est donc la question ?» James Lord. Oui, elle est morte en 1946 alors que j'étais encore aux États-Unis. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé Alistocla seule. Et là, je l'ai connue, elle, beaucoup mieux que Gertrude Stein. Mais Gertrude avait fait un testament un peu compliqué en faveur de son neveu ou de ses descendants, mais en laissant l'usufruit à Alistocla. Mais les héritiers Stein ont trouvé le moyen d'enlever tous les tableaux à Alistocla. Et les héritiers, qui étaient des gens très moches, qui est d'une avarice sordide, qui ne pensaient qu'à l'argent, parce qu'à l'instant, ils ont dû attendre la mort d'Alice, parce qu'elle avait l'usufruit. Mais elle n'était pas morte depuis une heure qu'ils ont commencé à faire des tractations pour vendre la collection. Et Alice est morte 20 ans plus tard. 19 ans. 19 ans. Et elle était très intéressante, elle était très fine, elle était très drôle, elle était excentrique, elle avait beaucoup pour elle. Mais du vivant de Gertrude, elle est toujours restée à l'arrière, enfin. Et elle est même dans la mort, parce qu'elles sont enterrées ensemble, mais Alice a fait en sorte que son nom soit gravé à l'arrière de la pierre tombale. Gertrude Stein, 1874-1946, dans Une vie, une œuvre. Un grand merci à tous les participants, Nadine Satia, Isabelle Alfandari, Jacques Darras, Cécile Debré et Carrie Pilto. Archivina, Véronique Jolivet, lecture, Valérie Lang, attachée de production, Laurence Genepin, prise de son, Maëtrane, Claire Levasseur, mixage, Stéphane Touvenin, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Et sachez que l'exposition Matisse, Cézanne, Picasso, l'aventure des Stein se tient en ce moment à Paris, au Grand Palais, jusqu'au 16 janvier. Ce qui est intéressant chez Stein, c'est combien ça échoue. C'est quand ça échoue, d'ailleurs elle le dit à un moment, je crois que c'est dans l'autobiographie de Tout le monde, ou dans l'autobiographie d'Alice Bétoclas, elle dit que, je crois qu'elle parle de l'Amérique, elle dit « l'Amérique réussit en cela qu'elle échoue ». Et Stein sans doute réussit dans son geste, précisément en cela qu'elle échoue.